冴えない僕と僕を囲む世界で描いても掴んでもまた Eh bien salut à tous la famille, c'est Ascopo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 916 de One Piece. Lors du précédent chapitre, nous avons pu voir Okiku utiliser l'art de l'épée afin de se libérer des griffes du Yokozuna Urashima. En coupant son chignon, elle nous a démontré qu'elle possédait une force, mais surtout une précision hors du commun. Et c'est un peu trop tard que nous retrouvons une Okiku dégoûtée, car elle s'était rendue compte, malheureusement, qu'elle s'était donnée en spectacle, et ce, devant tout le monde. Et la question que l'on peut se poser par rapport à cette attitude, c'est pourquoi cache-t-elle sa force? Et pour laver l'affront que lui avait fait subir Okiku en lui coupant son chignon, il décida de la tuer afin que cela serve d'exemple. Mais bon, je pense que c'est plus son orgueil qui en a pris un sacré coup, dans le sens où elle a déjà refusé à maintes et maintes reprises de devenir sa femme. En levant la main sur elle, Urashima avait déjà perdu en quelque sorte ce combat, dans le sens où peu importe sa victoire ou sa défaite face à elle, son honneur après avoir osé l'attaquer aurait été instantanément fichu. Ce qui lui aurait valu d'être non pas destitué de son titre de Yokozuna, puisque je le rappelle, lorsqu'un Sumotori atteint ce rang, il ne peut plus perdre ce titre. Mais en ce qui concerne son statut ainsi que ses privilèges, ça, c'est encore une autre question. L'honneur dans ce pays, c'est la chose qui prime en premier, et ça, on avait pu le constater avec Kinemon et Momonosuke, lorsqu'ils avaient refusé d'accepter la nourriture de la part de Sanji. Dans ce pays, pour pouvoir gagner le respect d'autrui, il faut bien sûr être puissant, mais pas que, puisqu'il y a notamment beaucoup de règles concernant principalement l'honneur, qui se doit d'être respecté par tous les habitants de ce pays. En tout cas, après ça, nous avons pu apercevoir Luffy attaquer de front Urashima, avec le même type d'attaque que celui-ci. Après ce terrible coup, tous deux se sont repoussés réciproquement. Bien sûr, aucun des deux n'est finalement sorti du cercle, et comme vous devez le savoir, dans un match de sumo, le but des deux combattants est de tout simplement faire sortir son adversaire du cercle. Cette attaque prouve en quelque sorte que Urashima est quelqu'un de bel et bien puissant, et que son titre de Yokozuna n'est finalement pas usurpé. Parce que réussir à repousser Luffy, je pense que c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Juste après cette attaque, tous deux ont décidé de commencer leur combat, combat qui doit être réalisé bien sûr dans les règles du sumo. Luffy explique bien sûr en rigolant que son truc c'est le sumo, et qu'il est lui aussi encore invincible dans ce sport. Bien sûr, pas besoin de vous stipuler que cette info n'est pas du tout à prendre en sérieux, dans le sens où tous les combats de sumo qu'il a pratiqués auparavant ont tous été faits dans l'humour. A noter aussi qu'il a eu Kusop pour seul et unique adversaire dans ce sport. S'ensuit d'innombrables attaques venant d'Urashima en direction de Luffy, qui bien sûr a réussi à tout esquiver sans le moindre effort, et tout ça c'est grâce à son haki de l'observation. La famille, de toute façon, franchement. Maintenant qu'il a battu Katakuri, qui peut être susceptible de battre Luffy, mis à part un Yonku, ou l'un des commandants de l'un de ses 4 empereurs. Sachant, plus que ce combat l'a radicalement fait progresser, je pense qu'à l'avenir il sera pratiquement impossible de voir Luffy perdre, et ce même sur le ton de l'humour. Avec cette nouvelle prime, Luffy vient d'acquérir par la même occasion un nouveau statut, qui l'empêche tout simplement de perdre à l'avenir ne serait-ce que le moindre combat. Tous les combats de Luffy, je pense que dès à présent ils vont être expédiés en seulement 2 minutes. Nous retrouvons aussi Shinichi Hold'em en train de torturer Otama, et tout ça pour seul et unique but de lui soutirer de la nourriture provenant de ses joues. Après ça, Hold'em nous explique que le clan Kuzuki a essayé de détruire Wano il y a de ça déjà 20 ans, et que le clan Kuzuki n'était qu'une simple lignée de démons. Après ça, je me suis dit, qu'est-ce que l'on peut déduire de toute cette haine à l'égard du clan Kuzuki? Parce que déjà, c'est sûr, on sait que c'est pas le cas, mais alors pourquoi il lui a dit ça? Je pense personnellement que c'est tout simplement un coup de Kaido qui par le passé a essayé de faire croire aux habitants par je ne sais quel stratagème que le clan Kuzuki a essayé de détruire d'une manière ou d'une autre ce pays. Et tout ça pour faire de Kaido le roi de ce pays, tout en ayant l'approbation de ses habitants. En se faisant passer pour le héros qui a empêché le clan Kuzuki de détruire ce pays, il a pu faire en quelque sorte d'une pierre deux coups. Il a d'abord réussi à exécuter Oden Kuzuki, le roi de ce pays, et aussi à avoir l'approbation des habitants de Wano. Et je pense que Kaido a réussi à devenir le nouveau roi de Wano grâce à ce procédé. Un peu comme l'avait fait auparavant Doflamingo à Dressrosa lorsqu'il avait essayé de destituer le roi Riku. En tout cas, la nouvelle expliquant que Luffy se trouve à Wano et plus particulièrement à Bakura a été très rapidement répandue dans le pays. Et tout ça, bien sûr, à cause de Basil Hawkins qui a informé tous les sbires de Kaido de la présence de Luffy. Après, force est de constater que comme à son habitude, la discrétion n'est pas du tout le point fort de Luffy. Pour finir ce combat très rapidement, Luffy a décidé de lancer sa nouvelle attaque, le Gomu Gomu no Jigon Tsupari, sur Urashima. Ce qui a eu pour effet de l'envoyer loin, très loin dans la ville, détruisant par la même occasion plusieurs maisons. Après que tous les habitants soient choqués de la victoire de Luffy face à Urashima, ils ont par la même occasion reconnu Zoro qui avait auparavant attaqué le fonctionnaire lors du chapitre 909. Tout de suite après la victoire de Luffy face à Urashima, les pirates de Kaido ont commencé à lancer une attaque à l'encontre de Luffy, Zoro et Okiku. Okiku qui a laissé sous-entendre à Zoro qu'il devait la protéger, mais que nenni, car Zoro a très bien compris son stratagème, dans le sens où il sait très bien qu'elle n'a pas besoin de son aide pour se défendre. Après, je me suis posé encore une autre question, et si la principale raison concernant le fait qu'elle refuse d'utiliser son épée venait du fait que dans ce pays, les femmes n'étaient pas autorisées à se battre avec une épée, et que les seules personnes qui avaient le droit de le faire étaient les hommes? Et je pense que c'est tout à fait possible, parce que plus j'apprends des choses dans ce pays, et plus je me rends compte qu'ils ont un caractère très machiste envers les femmes.
Et si je dis ça, c'est pas pour rien, car lorsqu'Urashima a commencé à attaquer Ukeku, et bien les habitants ont directement dit que son honneur disparaîtrait lorsqu'il l'aurait attaqué. Et si cette hypothèse s'avère être exacte, on pourrait retrouver alors le même problème que Kuina avait rencontré à l'époque lorsqu'on lui avait dit qu'une femme ne pourrait jamais devenir la plus forte épéiste du monde. Et si c'est le cas, je pense que ça serait intéressant de voir ça, dans le sens où ça pourrait faire comprendre à Zoro via le problème que rencontre Ukeku, pourquoi Kuina ressentait à l'époque un sentiment d'infériorité vis-à-vis de tous les hommes. Et donc si Zoro a refusé d'aider Ukeku, je pense que c'est pour la pousser à se battre, et ce malgré tous les a priori que les hommes peuvent avoir concernant la puissance des femmes, et sûrement aussi pour voir de quoi elle est capable réellement. Bien sûr, il n'a fallu que quelques secondes pour Luffy, Ukeku et Zoro afin de se débarrasser de tous les sbires de Kaido. Après ça, nous avons pu apercevoir le chef de la ville, Shinoshi Hold'em, avec comme prisonnière Otama. Et au vu de la réaction des sbires de Kaido et leur soulagement lors de son arrivée, je suis sûr et certain qu'il doit être quelqu'un de très très puissant. Parce que les sbires de Kaido ont quand même vu de quoi étaient capables Luffy, Zoro et Otama, et malgré tout ça, ils ont été quand même soulagés de le voir arriver. Un peu comme s'il allait réussir à tous les battre à lui tout seul. On doit quand même dire qu'il est intense un peu puissant, après jusqu'à quel point, ça, on s'en rapproche un chapitre. Personnellement, ce qui m'intéresse le plus le concernant, c'est son fruit du démon qui m'a l'air d'être, ma foi, assez mystérieux. Bien sûr, outre son aspect physique qui reste néanmoins assez bizarre, ce qui m'intéresse le plus est de savoir si les smiles fournissent plus de puissance qu'un fruit du démon normal. Après, je vous cache pas que par rapport à ces fruits du démon que l'on appelle smile, je me pose toujours la même question. Est-ce que les fruits du démon artificiels que l'on appelle smile offrent une puissance supérieure à celle d'un fruit du démon de type Zoan normal? C'est une question que je me suis toujours posée, et si la réponse est oui, je comprends maintenant pourquoi Kaido a demandé à Doflamingo de lui fournir énormément de Zoan artificiels. Et s'il s'avère que la puissance des smiles offre une puissance supérieure à celle d'un Zoan normal, je pense que ça va être un très très bon combat que l'on va voir au prochain chapitre. Luffy face à Hold'em, je pense que ça va être un combat très très lourd la famille. Et si je dis qu'il pourra se battre face à Luffy d'égal à égal, c'est pas par rapport à sa puissance, mais c'est plutôt parce qu'il détient quand même en otage Otama. Et donc de ce fait, je pense que ça va être très compliqué pour lui de pouvoir l'affronter normalement. À la dernière page de ce chapitre, nous avons pu voir Shinoshi Hold'em demander à Luffy s'il n'était pas l'un des sbires de Shutenmaru, le voleur. Et s'il demande ça, c'est qu'il doit sûrement avoir une résistance dans l'ombre qui essaye à tout prix de faire tomber le régime mis en place par Kaido depuis déjà plusieurs années. De ce fait, je pense qu'il sera plus tard, lui et son armée, un allié de taille pour Luffy et Law. En parlant de Trafalgar, on a pu le voir pressé de se rendre dans la ville de Bakura afin de constater les dégâts causés encore une fois par l'immaturité de Luffy. Je pense que Basil Hawkins sera lui aussi de la partie lors de ce combat. Et donc avec Basil Hawkins, Shinoshi Hold'em, Monkey D. Luffy, Roronoa Zoro, Trafalgar D. Waterloo, je pense que l'on n'aura pas du tout le temps de s'ennuyer lors du prochain chapitre. En tout cas, nul doute que le prochain scan sera très intéressant et qu'il annonce, j'en suis certain, que les prémices de nombreux combats que l'on va sûrement apercevoir dans l'arc de Wano Kuni. Et bien voilà la famille, cette review est d'ores et déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner et à surtout activer la petite cloche pour ne rien louper des prochaines sorties de vidéos et des lives que je peux faire, à liker et à partager un maximum cette vidéo, c'est vraiment important. Moi je te dis à très bientôt pour de prochaine vidéo, Jana. Ni anata wo ikai